Ici, on a un collègue qui a reçu le grand frère Barthélemy Nambo, un débat qui fait le buzz. Il a dit que Vital ne sait pas chanter. On ne sait pas s'il a mal parlé ou pas. Et on a vu que Vitu Lola, sur les réseaux sociaux, a répondu justement à ce débat. J'ai répondu de manière un peu comique. Hein. Il faut d'abord que ça soit un peu truc, mais c'est ici que je vais répondre réellement. Voilà, ce que je pense au fait, c'est un père pour moi, Papa Barthélemy. Papa Barthélemy est quelqu'un, un concepteur en fait. Bien sûr. C'est un concepteur. Et depuis que nous sommes petits, il est toujours concepteur. Il crée quoi? Varétoscope. Varétoscope, il y a beaucoup de talents qui sont passés à Varétoscope. Hein. Même Vital, attention. Donc je reviens là, on va se comprendre tout à l'heure. Donc Vital qui est danseuse. Peut-être avoir Varétoscope dans un groupe. À la base. Chez Demac, après, danse avec Mewé. Quand elle finit de danser avec Mewé, elle fait son petit bonhomme de chez Mewé, elle fait la musique. Voilà. Moi, j'aime Vital par rapport à sa chorégraphie. Elle est artiste. Elle n'est pas obligée d'être chanteuse. Il y a déjà José qui chante, il faut qu'on l'écoute. Ça sous-entend quoi, quand tu dis n'est pas obligée d'être chanteuse? Mais alors, mais Vital a été danseuse de Mewé, qui était pour chanter. Donc, la musique, là, c'est une passion. Tu aimes la musique. Il y a des gens qui ne savent pas chanter, mais qui font la musique. Mola, c'est chanter. Maurice a chanté. C'est non, à lui, il faut poser la question parce qu'ils ont fait la quête 7 ensemble. Non, Maurice a chanté. Pourquoi c'est à Maurice? C'est pas chanté, mais il est marketing. C'est pas... Il est intelligent. Maurice, il devient marketing après. Sinon, à la base, il apprend la musique et il commence à chanter. Non, et non. Même les accords de piano, ils sont même accords. Depuis qu'on est dans le feeling, je t'explique. Toi, ta génération là, je t'explique. Il y a deux chanteurs dans ta génération. C'est pas parce que tu es là. Il y a fait studio, toi, tu chantes. Bolosangi, grand chanteur. Il y a comment dire, le grand frère Alain, on est né dans la même maternité là, maternité libanaise, Tenchville. Lino. Alain, Lino Versace, grand chanteur aussi. Mais c'est les gens qui ont oublié de chanter. Mais quand il danse, ça pleure aux gens. Oui. Un artiste a besoin de parler. Je parle pas mal à Papa Barthélemy Nambo, je veux dire que c'est lui qui a créé ça. Varétoscope s'est quitté où? C'est Papa Barthélemy Nambo. Donc aujourd'hui, si la fille a dansé, elle a aimé la chose. Elle a aimé la musique. Si elle chante, on n'a pas oublié d'écouter sa chanson, mais on peut regarder sa chorégraphie. Hein.